Depuis 2000, 2001, je travaille avec le feu. Au lieu de travailler finalement avec des pinceaux, des crayons, je prends une chandelle ou une torche. Puis c'est cette flamme-là qui touche à la surface sur laquelle je travaille, qui crée de la suie. Puis c'est soit que je la laisse telle quelle, je laisse l'image qui est apparue directement de la flamme sur le carton, ou que j'intervienne. Étant donné que la suie sur la surface est très, très, très fragile, n'importe quoi qui va y toucher va comme enlever cette poussière de carbone, de noir de carbone. Donc, si on imagine un insecte qui va marcher dessus, ça va comme laisser des traces. Danielle, c'est un génie de l'éducation. C'est une femme qui est amoureuse de la nature, qui est complètement connectée à la nature, qui partage sa passion avec la nature, avec ses étudiants. C'est une naturaliste, c'est une environnementaliste. C'est une femme extraordinaire, c'est une femme que j'adore. Au fur et à mesure qu'on s'approchait, je me rappelle du premier monarque qu'on a vu, puis on était tout excités. On s'approchait, on savait qu'on s'approchait du sanctuaire. On pouvait même pas s'imaginer ce qu'on était pour voir. Le premier papillon, le deuxième papillon, après ça, il y en avait plusieurs qui virevoltaient, puis finalement, quand on arrive à l'endroit où ils sont vraiment posés sur les branches, puis on pense que c'est des feuilles brunes, puis les branches sont courbées. Puis finalement, on réalise que ce sont des papillons superposés un par-dessus l'autre. Puis cette lourdeur-là, c'est juste le poids des milliers et des milliers de monarques qui sont là dans le sanctuaire. Ce moment-là, c'est vraiment un moment de révérence. C'est vraiment un moment où on a le souffle coupé. On sent qu'on entre dans un endroit sacré. Pour moi, j'ai vraiment senti que j'étais dans un moment dans l'histoire où la précarité de cette espèce est connue de tous. On sait très bien que cette année-là, la population avait diminué de 40 % et on regardait ce qui semblait être une abondance infinie de papillons vivants et puis cette grande beauté. Mais je crois qu'en même temps, on partageait cette conscience que on était très chanceux de voir ça et que très possiblement c'était éphémère. Les entomogrammes, c'est un néologisme, en fait, c'est comme entomo pour insecte, gramme pour graphie, pour écriture. Donc, c'est des insectes qui écrivent sur de la suie. On appelle ça des entomogrammes. Parler de la migration des monarques, on pourrait partir du Mexique, donc du centre du Mexique, dans les forêts d'Oyamel. Et c'est là que les monarques se rassemblent pendant plusieurs mois d'hiver, où ils s'accouplent, et là, en quatre générations environ, ils remontent vers le nord pour se rendre jusque dans le sud du Québec et le sud de l'Ontario. Et donc, ils arrivent ici chez nous au mois de juillet, repondent des œufs, et c'est cette dernière génération qui repart vers le sud
arrivé l'automne, quand les journées raccourcissent, c'est leur signal de départ. Et ça leur prend une centaine de jours. Ils voyagent près de 3000 km pour retourner exactement au même endroit où ils ont hiberné l'année d'avant. Ce qui me fascine le plus dans cette migration puis dans l'espèce, c'est que pendant 3 ou 4 générations, il y a le monarque qui migre vers le nord. Puis au bout de cette 4e génération-là, le nouveau monarque qui est né ici, il migre vers le sud. Il n'a jamais été dans le sud. Il n'a pas été programmé. Son père, son arrière-grand-père, il était programmé pour voler vers le nord. Fait que pourquoi que celui qui est né ici est programmé, c'est comme un mystère. C'est vraiment... C'est ça qui me fascine le plus. Oui, oui. En fait, la peur de que cette espèce éventuellement disparaisse, s'ajoute à ça la peur de perdre ce phénomène exceptionnel. Le monarque, c'est un papillon, donc c'est un lépidoptère. Et les lépidoptères, ce sont des insectes qui ont des ailes couvertes de petites écailles. Et quand on connaît ce phénomène-là, puis quand on voit une aile de papillon, peu importe le papillon d'ailleurs, quand on voit ça au microscope, on voit les écailles, on voit le pattern de mosaïque. Puis ça, c'est un rapport formel avec notre œuvre finale. Quand tu regardes l'œuvre de près, c'est composé de petits cartons, de petits pixels qu'on appelle, et c'est comme si on regardait une aile de papillon au microscope. Puis on peut pousser cette métaphore un peu plus loin. Plus de 100 bénévoles ont participé à cette œuvre collaborative et collective, et donc, encore là, on a une mosaïque communautaire pour la création de l'œuvre. Dans le processus aussi, on choisissait chacun des pixels. Ouais. Donc, on portait un jugement sur la pixel, sa valeur de gris, puis tout ça. Mais à chaque fois qu'on posait notre regard sur un pixel, on posait notre regard sur vraiment un dessin fait par un insecte. Là. Toutes ces petites graphies-là, c'est vraiment une œuvre. C'est vraiment un autoportrait. C'est vraiment fait par les papillons. Les scientifiques disent que dans la dernière décennie, les populations de monarques auraient diminué d'à peu près 90 à 94 %. Et ce qui cause ça, c'est une multitude de facteurs, entre autres les monocultures. Un papillon qui s'engage dans une trajectoire où il s'adonne à être au-dessus d'une monoculture, il n'y a pas de chance. Il y a zéro chance de survivre. Ce qui manque le plus, ce qui est criant comme besoin pour les monarques, c'est le besoin d'habitat naturel, avec de l'asclépiade et une multitude de plantes indigènes qui produisent du nectar pour nourrir l'adulte, et l'asclépiade va nourrir la larve. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les gens prennent conscience que créer des petits jardins un peu partout, éparpillés dans nos cours, dans nos écoles, sur le bord des routes, va lui permettre de continuer à survivre quand il se déplace sur ses trajectoires.